J'accueille Marie-France. Marie-France, je ne me quitterai jamais. On ne te quittera jamais, Marie-France. Je suis volage, mais je ne me quitterai jamais. Jamais, jamais. Je suis volage, mais je ne me quitterai jamais. Jamais, jamais. Je suis volage, mais je ne me quitterai jamais. Jamais, jamais. Je suis volage, mais je ne me quitterai jamais. On a parlé à retrouver Marie-France dans le quartier de Montmartre à Paris. Son appartement est placé sous haute surveillance. Ah, bienvenue dans mon petit logis. Elle partage son logis avec Lily. J'adore. La chanteuse entame la journée par une séance maquillage. Je suis belle au naturel quand même. Militante de la première heure, Marie-France s'implique dans la cause animale. Je veux qu'on foute la paix aux animaux. Je suis végétarienne. Et L'Oréal font tous leurs essais sur des animaux et les font souffrir et tout. Et comme une idiote, j'ai acheté un L'Oréal. Donc je vous dis pas à quelle vitesse je vais le mettre à la poubelle. La reine des nuits parisiennes baroque a transformé ses appartements en boudoir. Je me suis amusée à faire ma déco et j'ai pris mon temps. Là, j'ai envie de minimalisme. J'aimerais bien avoir un appartement, mais vraiment... tout blanc, rien à voir. Parce que tout ça est très beau, hein. Mais je sais pas, j'ai envie de minimalisme, ça viendra. C'est pas le moment encore. Je dois encore vivre dans mon petit Trianon un certain temps, et puis après, j'aimerais bien avoir un espace comme ça, pas chargé du tout, très clair, avec une belle terrasse. Tu veux ou tu veux ? En 2009, Marie-France a repris les plus gros succès de son égérie Brigitte Bardot à travers un spectacle et un album. Et Bébé l'a personnellement remercié. L'autre moi-même, mon joli miroir avec ma tendresse, Brigitte Bardot. Tu veux ou tu veux pas ? Marie-France, même si elle occupe moins le devant de la scène, gère toujours son image comme une vraie femme d'affaires. La vie est dure pour les étoiles. Le tapis rouge est remplacé par un couloir de métro, mais Marie-France reste fidèle à elle-même, très star, et Lily est au cœur de toutes les attentions. Fais un cheese à la caméra, chérie. Fais un cheese. Son coiffeur se trouve à Saint-Germain-des-Prés, un quartier dont elle a été l'une des icônes. Tout ça a une histoire pour moi. On parle de ça quand c'était l'âge d'or de la musique pop. Je rentrais là, je venais avec un petit copain, on s'assoyait dans le fond, puis on écoutait de la musique pendant des heures. C'était magnifique. Bonjour. Tu vas mieux aujourd'hui ? Très bien. Le programme du jour, sa nouvelle couleur. Je suis rouge depuis 10 jours. Parce qu'en fait, partout où je regardais, je voyais des blondes mèchées. Elles étaient toutes blondes et moi, au milieu de toutes ces blondes, ben, j'avais l'air d'une blonde en plus. C'est Luc Star qui est là. C'est ça ? Pardon, je t'ai écrasé. Et rien de tel que quelques pas de danse pour tester la résistance du brushing. Marie-France se rend à son prochain rendez-vous, cette fois-ci en taxi. Et pour ne pas avoir de soucis avec son chien, Lily est cachée. Merci beaucoup, monsieur. Il n'y a pas de quoi, madame. Jusqu'au bout, la ruse fonctionne. Le chauffeur n'a rien vu. Bonne continue. La chanteuse a maintenant rendez-vous avec Vincent Gaillard, un auteur-compositeur avec qui elle prépare son prochain album. Elle était une fois, inspirée de son autobiographie. Nous allons faire une petite répétition. Chant des sirènes. Le chant des sirènes. Et à l'approche de son comeback dans les bacs, autant dire que son téléphone ne pleure pas. On dirait un petit téléphone de petite fille. Yes, oui mon amour. Nous la retrouvons quelques heures plus tard à deux pas du centre Georges Pompidou au centre Wallonie-Bruxelles. Ce soir, Marie-France chante accompagnée de son groupe fétiche Fantôme, dont Jacques Duval est le parolier. Yeah. My Duval, forever. Dans les loges, la féline chanteuse répète ses chansons. Un tour de chant qui sera présenté l'an prochain à Paris. Sournois, c'est perfide.
toujours la Kessie. Le palace, c'est vraiment fini et Marie-France est devenue l'ultime étoile des nuits d'un Paris révolu. Et maintenant, la lumière se rallume sur Marie-France. Marie-France, bienvenue sur le plateau de Tout le monde en a parlé. Bonsoir. Alors, vous êtes née à Oran le 9 février 1946. Votre mère, qui avait déjà eu deux garçons, rêvait d'avoir une fille. Donc, pour elle, vous étiez Marie-France dès votre premier cri. Maryse. Je devais être Maryse. Alors, votre mère vous coiffe et vous habille comme une poupée jusqu'à l'âge de 5 ans, en fait. Ce qui n'a pas dû être pour rien dans ce qui vous est arrivé par la suite, j'imagine. Je pense que ça devait être une évidence ouais. pour elle, parce que ouais. tout le monde disait « Oh, quelle jolie petite fille vous avez !» Oui. Tout ça, donc. Votre père était cheminot, et vous avez une enfance modeste et heureuse, avec votre mère, votre grand-mère, vos deux frères, et votre père. Alors, votre père, il était un peu rustre et violent. Macho de base. Ouais, mais beau gosse, hein. Beau gosse, Tyrone Power. Ah. Alors, dès votre plus jeune âge, vous êtes attiré par le monde des femmes, les poupées, les maquillages, les cheveux longs. Mais en fait, vous ne pouvez pas assouvir ce penchant au grand jour, quoi. Il y avait un traumatisme, c'est ouais, certain. Ouais. Hein, dès ma plus tendre enfance, il y avait quelque chose qui n'allait pas ouais. dans ma vie. Et ça allait de moins en moins bien, d'ailleurs. Et c'est vrai que j'étais attirée par les femmes. Je dessinais que des femmes. Et puis, il y avait aussi Saint-Laurent qui débutait et qui glorieusement ouais. à Paris, dans la haute couture. Ouais. Et qui était oranais, comme moi. Ouais. Donc, c'est vrai que... Alors, vous dites, à l'école, j'ai aussitôt ressenti que j'étais à part. J'étais complètement à l'écart des autres. Ouais. À l'époque, vous rêvez de Brigitte Bardot, de Martine Carole, qui sont un peu vos idoles, quoi. Oui. Ouais. Oui. Alors, à 13 ans, premier flash amoureux, un prof de 6e, qui lui a 28 ans, qui ressemble à James Dean, il vous embrasse, il veut aller plus loin, mais vous vous débattez. Dans un cinéma. Et moi, j'en tremblais, ouais. et de désir et de peur. Ouais. Alors, la seule à qui vous pouvez raconter tout ça, c'est votre grand-mère qui compatit, en fait. Ma petite grand-mère. Ouais. Alors, le 1er avril 1960, vous tentez de vous suicider avec un mélange d'optalidon, de fénergan et de morora. Tout ça parce que votre père vous avait engueulé sur un carnet de notes, non ? C'est vrai qu'à un moment donné, nous habitions à Alger à ce moment-là et j'avais trafiqué mes carnets de notes et le directeur l'avait vu, avait prévenu mon père. Et mon père, macho comme il était, ouais. quand il recevait les ouais. résultats de ouais. l'école, c'était la ceinture par qui je commence, comme ouais. ça. Donc, il a pris très très mal, il m'a giflé, il m'a demandé de rentrer dans ma chambre et de ne pas dîner. Et là, je me suis dit, j'en ai assez de cette ouais. vie, c'est plus possible, c'est pas pour moi. Ce monde n'est pas pour moi, définitivement pas pour moi. Je veux mourir tout de suite. Et voilà. Il s'en est fallu de peu, d'ailleurs. Oui, c'est vrai, parce que c'est que vers 23h, on est rentré tout à fait par hasard dans la chambre. Ouais. Et on a vu que j'étais verte et pleine de bave ouais. et complètement crispée. Ouais. Et là, tout le monde s'est interrogé. On a fait venir une ambulance. Et là, il a fallu faire un lavage d'estomac. Enfin, ouais, voilà, c'était dramatique. Les médecins leur disent, soyez très cool avec elle. Si elle peut partir en vacances, faites-le, etc. Et mes parents ont la bonne idée de m'envoyer à Viroflay. À Viroflay, chez vos cousins. Et là, vous découvrez Paris, vous découvrez Saint-Germain-des-Prés. J'ai à peine 14 ans. Ouais, ouais. Mais je fugue l'après-midi en rusant énormément. Et je prends le train, j'arrive à Gare Saint-Lazare, au Gare Montparnasse. Et je marche et je me retrouve à Saint-Germain-des-Prés. Et voilà. Quand vous revenez en Algérie, en fait, vous êtes un petit peu différente, évidemment. Et vous rencontrez des camarades comme vous, avec qui vous faites des virées dans les bars de parachutistes. Là, je rencontre des créatures un peu hystériques à Alger, très sympathiques, qui étaient plus âgées que moi, mais qui me prennent un petit peu sous leur aile. Et donc, je les suis un peu partout et je me retrouve dans les bars de parachutistes. Ouais. Et à l'heure du couvre-feu, on se met à hurler dans les rues alors que tout le monde est affolé. Nous, on crie de joie, de bonheur. Je ne sais pas, on était heureuses. Les premiers slogans des gazolines. Bit occupe Haïté. Bit tout court. Ah, bit tout court, d'accord. Bit tout court. Ouais. Occupe Haïté, ça a été rajouté par les gazolines. Alors, là, la guerre d'Algérie oblige votre famille à s'installer à Paris. Votre premier boulot, donc dans un salon de coiffure rue de Maubeuge.
Et le samedi soir, bah, vous découvrez évidemment les boîtes de nuit, le fiacre, le bilitis, chez Michou. Alors voilà, d'un seul coup, vous êtes chez vous, quoi. Vous vous dites, je ne suis pas tellement différente de ça, finalement. Ah, mais là, j'avais déjà compris, ouais. depuis mon premier voyage à Paris, ouais. J'avais compris qu'il y avait des gens qui... Voilà, que Paris était la ville où je pouvais me réaliser. Ouais. Et voilà, il y avait des gens qui me ressemblaient, qui avaient un petit peu la même trajectoire que la mienne, et ça m'encourageait beaucoup. Bien sûr. Alors, à partir de 1964, vous ne vous habillez plus qu'en femme, vous devenez Marie-France, vous dites Marie comme ma mère, et France comme ma terre promise, quoi. Oui. Ouais. Comme ce beau pays. Ouais. Oui, la France me faisait rêver, moi, dans mon petit quartier perdu d'Oran, avec les bombes de tous les côtés, tout ça. Quand je voyais dans la presse des photos sur Oran et un petit peu tout ce qui s'y passait, c'était mon seul échappatoire. Alors, à cette époque-là, vous commencez à vous habiller en femme, et vous ne deviendrez une femme au sens propre du terme qu'en 1985 à Londres. Vous dites, un matin nouveau, je me réveillais dans une rose. C'est joli, non? Oui. Oui, en fait, je me sentais très femme déjà. Ouais, je n'ai pas eu besoin d'attendre cette rectification chirurgicale pour me sentir plus femme. Simplement, c'est vrai que pour moi, c'était un grand pas en avant, quoi. C'était le bonheur de voir mon corps comme je l'avais rêvé. Et puis, voilà, me sentir libre, déjà rêver d'aller nue sur les plages. Et puis, voilà. Bon, enfin, là, on est au milieu des années 60, et là, vous découvrez les joints, pas avec n'importe qui, puisque c'est en compagnie de Keith Richard et Anita Pallenberg, qui était sa compagne. Je me retrouve dans leur appartement de la rue de Lambre, dans le 6e, et je fume ces cigarettes. Voilà, magiques. Premier pétard. Avec Keith Richard, c'est pas mal, quand même. Oui. Mais c'est votre copine Orla qui s'y colle. Hein. Vous faites rien de sexuel ce soir-là. Moi, jusqu'à ma rectification, j'ai eu beaucoup de problèmes de ce côté-là avec les amours passagères. Ouais, ouais. J'avais toujours des garçons dans ma vie, mais il fallait qu'ils m'acceptent entièrement pour rester avec eux. Mais comme ça, rencontrer un garçon et faire l'amour avec lui, ça m'était impossible. Ouais. Tandis que ma copine, elle était pas, ça ne la gênait pas du tout. Alors voilà, à 20 ans, donc vous êtes à Paris, vous faites la fête tous les soirs, vous devenez l'égérie du Jimmy's, la boîte de Régine. Oui. Au Club 65, vous rencontrez Coccinelle, le premier travesti célèbre en France, qui vous dit... Tu es la nouvelle coccinelle, la coccinelle dans le vent. Dans le vent. C'est extraordinaire. Oui, c'est très beau, hein. C'est très joli ce qu'elle me dit. Oui. Et c'était en même temps une investiture incroyable pour moi, parce que j'avais 17 ans. Alors, au Club Saint-Germain, vous séduisez Nino Ferrer. Entre autres, oui. Il s'est passé quelque chose avec lui? Oui, je crois qu'on a passé une nuit ensemble. On a dormi ensemble. Ah, d'accord. Et alors, vous séduisez également Serge Gainsbourg, qui dira plus tard à Bambou, elle est la seule avec qui j'ai trompé Bardot. Oui. Pas mal. Oui. C'est lui qui m'a séduite. Ouais. Parce que moi, j'étais, comme je disais, toujours très timide, très réservée. Ouais. Mais c'est lui qui ne me quittait pas des yeux. C'est lui qui est venu vers moi, qui m'a d'abord invitée à déjeuner. C'est lui qui est revenu me dire « Tu ne veux pas venir boire un verre avec moi ?» Très gentiment, comme ça. Moi, j'ai craqué. Il était tellement élégant et doux. C'était Gainsbourg. C'était pas Gainsbourg. Alors, en revanche, avec Onassis, que vous avez rencontré chez Castel, il ne se passe pas grand-chose, hein? Non, parce que je n'ai jamais été vénale. C'est vrai que les hommes avec de l'argent ne m'ont jamais attirée. Et même, il y avait un blocage. Ouais. D'ailleurs, il y a toujours un blocage avec les gens qui ont de l'argent. Alors, c'est incroyable, parce que vous refusez pratiquement une aventure avec Onassis, et quand vous partez, il vous donne 5000 francs pour payer le taxi, quand même. C'est pas mal. Ben oui, parce qu'il voit qu'il peut rien, rien avoir de plus. Ben voilà, ça se finit comme ça. Mais en fait, si j'avais voulu, j'aurais pu. Ouais. Il était vraiment à genoux pieds. Hein. Alors voilà, c'est en 1969 que Jean-Marie Rivière vous engage à l'Alcazar, dont vous ferez les grands soirs. Hein. Oui, après avoir dansé toutes les nuits pendant plusieurs années et ne rien faire du tout. Et un jour, je me suis dit, il faut quand même que tu te décides peut-être de faire quelque chose. Et la seule chose que j'avais envie de faire, c'était d'être sur scène. En 1972, vous fréquentez le FHA, le Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire. Et avec cette bande d'artistes excentriques, vous fondez Les Gasolines.
Donc vous traînez de vernissage en fête branchée en hurlant donc bite occupaïté, on est bien d'accord. Voilà, c'était ça. Et puis arriver dans des réunions très, très sérieuses où les gens se prenaient la tête à parler sur des sujets graves. Ouais, c'était l'époque. Et là, elle rentrait, elle criait bite occupaïté. Donc évidemment, on a été très remarqués. Ouais, c'est formidable. Alors là, vous créez votre spectacle en Marilyn. Et c'est l'apothéose, c'est vraiment le succès. Vous êtes à la fois la star du Paris de la nuit et en même temps la star des intellos branchés un peu décadents. Vous rencontrez Téchiné, qui vous donnera un rôle dans Barocco. Vous tournez pour Arietta, vous montez sur scène pour Frédéric Mitterrand. Oui. Enfin, vous, voilà quoi. C'est Frédéric Mitterrand qui me fait faire mes premiers pas au théâtre. Oui. Ouais, ouais. Et puis ensuite Marguerite Duras aussi. Bien entendu, avec Navier Knight, absolument. Voilà. Alors, quelle a été la réaction de vos parents quand vous avez commencé à connaître cette célébrité, justement ? Mes parents étaient très inquiets pour moi parce qu'ils savaient que c'était une vie un peu marginale. Je n'avais pas de papier. Mon père était comme ça. Ouais. Donc il fallait que je sois à la sécurité sociale, que j'ai des papiers. Ils ne comprenaient pas que je puisse vivre comme ça. Ouais. Pendant toutes les années où j'ai fait des expériences qui ont duré à mon goût trop longtemps. Ouais. Ouais. Ça a été comme ça avec mes parents. Donc vos parents réagissent comment ? Ils sont un peu bluffés, mais en même temps, bon, eux, ce qui les fascine, ce qu'ils auraient voulu, c'est de me voir arriver avec ma voiture, mon appartement, être déjà... Ouais. Mais bon, ils voyaient bien que c'était pas ça. J'ai toujours été une petite chose comme ça, un peu trimballée. Ouais. Alors, comment réagissent vos frères ? Alors, mes deux frères, ça va. Parce qu'ils ont bien amorflé aussi avec mon père, donc... Ça va, mes deux frères. Vous savez, oui. Il y en a un, Robert, dont vous avez découvert l'homosexualité, en fait. Oui. Donc ça vous a rapproché, j'imagine, quand même. Non, pas vraiment. Ah bon ? Un peu, mais non, parce que... Vous savez, c'est pas parce qu'on est homosexuel qu'on est brillant. Et vos amis, comment ils ont réagi devant ce succès ? Moi, j'ai toujours été aimée par les gens à Paris, par mes amis. Oui. Toujours été très, très supportée. Quelles ont été vos relations avec les médias à l'époque ? C'était pas facile parce que les médias étaient fascinés par ma personne. Par contre, la seule chose qu'ils disaient en parlant de moi, c'était toujours ce que moi je refusais qu'on dise à mon sujet, c'est-à-dire travesti, transsexuel et tout ça. Moi, j'estimais que quand j'étais au théâtre, on devait parler de l'artiste et non de voilà, on n'avait pas besoin de parler de sexualité. Vous avez gagné de l'argent à cette époque ? Non, pas énormément. Non, 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 non. Mais j'ai jamais vraiment manqué d'argent. Non, j'ai pas beaucoup gagné d'argent. Est-ce que cette notoriété vous a amené à beaucoup de rencontres amoureuses ? Est-ce que d'un seul coup, vous avez été encore plus draguée qu'avant ? Oui, j'ai toujours été très courtisée. Oui. Mais mes amours, je les trouvais seules. Quel a été le meilleur moment de cette époque ? Bah, c'est l'amitié, hein, quand même. C'est l'amitié, c'est la fête, c'est les gens qu'on voyait tous les soirs. C'est aussi à chaque fois des projets de théâtre ou de cinéma qui me comblaient de bonheur. Voilà, c'est ça, c'est ça mes meilleurs moments. Et le pire moment ? C'est à force d'expérience aller trop loin dans les drogues et me retrouver mal, mal foutu et remonter la pente à chaque fois, ça c'était terrible. Terrible, hein, Oui, parce que vous avez commencé en fumant des pétards avec Keith Richards, mais après il y a eu les enfêtes. Ben oui, mais il y a eu les Mandrax, il y a eu les Ro. Enfin bon, c'était l'époque, les gens venaient dans ma chambre ronde à l'hôtel Louisiane et me disaient il y a une nouvelle cam qu'il faut essayer. Et on me sortait de la poudre et des seringues, des trucs. Ouais. Et puis c'était, à l'époque, c'était festif. Et vous avez quand même failli faire une overdose à un moment, non ? Oh, j'en ai fait plusieurs. Ouais. Plusieurs. Et vous en êtes sorti, quoi ? Incroyable. Je dois avoir un ange gardien, une petite étoile. Une petite quand même. Étoile au-dessus de vous, oui. Alors voilà, bon, il y a des époques plus ou moins bonnes. En 1975, vous en êtes réduite à faire des striptease dans les foires avec Paquita Paquin. Ça, c'est quand même une époque... Réduite, non. Non. C'était un jeu. Hein. Oui. Ça m'amusait énormément. Oui. Mais c'est vrai qu'en même temps, ça me faisait mon argent de poche. Ouais. Alors là, vous restez une égérie de l'underground, notamment à l'occasion de vos concerts au Palace, grande époque Fabrice Aymer.
avec les branchés de l'époque. Vous faites partie de la bande de Louboutin, Pierre et Gilles, Pacadis, Eva Ionesco, Edwige. Enfin, vous êtes vraiment dans la bande du palace. Tout quoi. À fait. Voilà. Et c'est peut-être pas un grand succès public, mais vous avez beaucoup de succès oui. chez les branchés. Et oui, voilà. À Paris. Ouais. Oui. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes nostalgique de toute cette époque ? Pas vraiment, non. Non, 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 pas vraiment. Mais je n'ai rien oublié. Ouais. Si c'était à refaire, Marie-France, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil ? Ah ben, je ferais beaucoup moins de bêtises. Genre. Et ah ben, je ferais moins d'expériences et voilà, je toucherais moins à ça. Ah ouais. J'ai perdu énormément de temps. Ouais. Énormément de temps. J'ai perdu des années. J'ai raté des opportunités incroyables de travail, des propositions magnifiques. Puis j'aurais fait aussi mon changement. Plus tôt, beaucoup plus tôt. D'accord. Ah oui, parce qu'à partir de ce moment-là, je me suis sentie tellement bien dans ma peau et j'ai pris la vie avec une sérénité que, jusqu'alors inconnue. Ouais. Le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe ? Sigi. Oui. La Marie-France. Wow. Chanteuse et artiste. Ah, c'est très chanteuse bien. Chanteuse et actrice. Au revoir, merci. J'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous. Merci beaucoup, Marie-France. Merci. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.